Attention à ça. Vous avez des rêves, des objectifs, mais vous doutez, vous avez peur. Vous n'êtes pas sûr de vous, de vos capacités, de votre valeur. Et votre petite voix intérieure n'arrête pas de vous critiquer, de vous dévaloriser, de pointer du doigt toutes vos faiblesses, vos erreurs, vos échecs. Pourtant, je suis sûr que vous avez déjà tenté plein de trucs, mais les résultats ne sont pas à la hauteur? Et peut-être que même vous vous êtes planté dans l'écran de largeur? En tout cas, vous n'êtes probablement pas satisfait. Car vous êtes encore loin du but et le chemin qui vous reste à parcourir est, comment dire, décourageant. Peut-être même que vous n'y croyez plus vraiment, qu'en fait c'est trop dur, que ce n'est pas fait pour vous, que vous devez arrêter de rêver parce que seuls les meilleurs peuvent y arriver et que vous, eh ben, vous n'en faites pas partie. Alors laissez-moi vous dire un truc tout bête. Tout ce que vous pensez, c'est tout à fait normal. Tout le monde passe par là, vous, moi, tout le monde. Tous les meilleurs, les plus grands, les champions, les génies, tout le monde doute et passe par là. Mais, contrairement à ceux qui échouent, ceux qui réussissent ont décidé de continuer malgré tout et de ne pas abandonner. Alors oui, ce n'est pas facile de continuer quand tout va de travers et quand vous avez le moral dans les chaussettes, que personne ne vous soutient et qu'au contraire on vous critique carrément, alors qu'en même temps, les difficultés et les échecs pleuvent sur vous. Alors quelle est la solution pour continuer à avancer? Eh bien, c'est tout con, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres, et donc de vous sous-estimer et de vous critiquer sans arrêt. En fait, le truc à faire pour vous donner un boost de morale, c'est de regarder en arrière, de voir tout le chemin parcouru et de l'apprécier à sa juste valeur. De vous dire waouh, je suis parti de là quand même. Car on a vite tendance à oublier qu'on est souvent parti de loin, de très loin. Alors pensez-y et dites-moi en commentaire si ça vous inspire et si cette vidéo vous a aidé. Likez et abonnez-vous.